Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant EPIC pour les radios la 16.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio Dani et la radio Puissance Max pour notre jeudi 7 avril. Je vous ai donné le tiercé, le quarté plus le quarté dans le désordre et ma dernière minute que je vous donnais le 16 gagne la course. Voilà. Pour notre vendredi 8 avril, notre quarté aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Conditions de course, réunion à course 4, distance 2850 mètres, grande piste, corde à gauche, départ 20h10 comme d'habitude, 16 au départ, mais voilà, encore un lot bien composé qui va pas être évident de trouver la bonne solution, mais on va essayer. Je vous ai mis en tête le 13, Goss, mon cheval du jour pour ce quarté, est très régulier en ce moment. Même en rendant la distance, j'y crois. J'ai placé comme opposition le 16. Finio du Pomereux avec Eric Raffin a le droit de venir prendre une belle place. J'y crois beaucoup avec Monsieur Raffin. Le 14, Galon de Vire, vient de prendre des belles places. Il est au mieux, j'y crois. Le 1, Galion sera mon très gros coup de cœur. Il vient de prendre deux très belles places. Attention, j'ai peut-être placé ce cheval assez haut dans ma sélection, mais j'y crois beaucoup. Mes quatre bases, le 13, le 16, le 14 et le 1. Le 9, Guilin de Mai, attention à lui pour une place, tout comme le 12, Galileo Bello. Le 3, Getting sera mon coup de folie pour ce quarté. Je termine ma sélection par le 11, Galio Volzin, mon coup de poker pour ce quarté. En cas de non partant, le 8. Donc, mon cheval du jour, le 13, mais de base, le 13 et le 16. Mon coup de cœur, le 1. Mon coup de folie, le 3. Et mon coup de poker, le 11. Mais 2 sur 4. Le 13, le 16 et le 14. Mes couplets gagnants placés, le 13, le 16, le 14 et le 1. Je répète ma sélection, mes amis. Le 13, le 16, le 14, le 1. Le 9, le 12, le 3 et le 11. Retrouvez mon pronostic bien sûr sur la radio la 16.fr, sur la radio RDC.fr. Allez faire un tour aussi sur mes autres sites partenaires, c'est toujours très sympa. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Orsois, le Pharaon des courses.